Yup, 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 mes loulous, c'est tonton Tommy qu'on est sur Minecraft Donjon et on va retester un petit build. Enfin, retester. Plutôt le tester parce que le mélange, il est inédit. Déjà, on a une espèce de masse, un fléau, pardon. Et ça, le fléau, c'est nouveau. C'est tout beau. Donc ça lie et enchaîne les ennemis. On a un ravitaillement puissant, c'est-à-dire que quand je tape, quand je tue des ennemis, ça recharge plus vite ma potion de vie. Donc ça c'est très très cool. Après on a l'aura de feu. On enflamme les ennemis, donc on va les chauffer. Et on a l'onde de choc, la classique, très cool. L'armure aussi elle est déliante, elle est trop cool. Déjà les potions de soins, ouais, ça soigne les alliés à proximité, donc c'est sûr que si j'avais des abeilles ça pourrait être cool, mais là j'ai pas. Réduction des dégâts de 35% quand même. Les créatures vous ciblent mieux, ça je sais pas, j'ai un doute pour fin. Et par contre le temps de recharge de la potion est aussi de moins 40%, donc ça fait un petit doublon, donc ça devrait se recharger très vite. En bas, les enchantements, l'électricité, qui fait très mal quand on roule. Et comme j'ai la roulade multiple, paf paf paf, on fait trois coups à la suite. Et en plus on a agile des pieds, histoire de torcher le niveau. Donc on va se tenter la mission quotidienne. Enfin les missions quotidiennes, alors niveau 2 et niveau 3. C'est quoi le niveau 3? Dégâts infligés par les créatures qui augmentent de 50%. Ok. Flamboyance, le nombre d'animaux est défini sur 3. C'est-à-dire qu'il faudrait que j'ai un bestiau. Bouf. C'était pas prévu. On a dit on a envie de torcher, donc on y va, mais vraiment, on fonce. Et on défonce. Vous allez voir, ça va être rigolo. Ah, le fléau là, c'est un délire quand même. Alors, ok, je vais tester sans champignons déjà. Oh oui, yayon. Regardez hein, à quelle vitesse ça remonte. Et je tue des ennemis. Oh là là. Boum. Oh, c'est trop bien. Ah, ça y est, c'est déjà rempli. Incroyable. C'est génial. Ah bah quand même, on enchaîne un petit peu. Ouais, mais c'est vrai que comme je débute en un coup. Oula, ouais, par contre là, on va se calmer. Tiens. Ouais, comment je vais te calmer? Tu flèches, ça se prend. Paf pouf. Allez, ça torche. C'est vrai que j'oublie que je fais des éclairs aussi quand je roule. Allez, paf. Voilà, sorti c'est par là, c'est qu'un petit zombie. On y va. Coucou les gars.
Allez, c'est nettoyé. Ça s'arrête quand vous voulez. Ah, je me suis fait retoucher. Je suis trop con. Ok. C'est un carnage en tout. Oh, il y a du monde, allez, on va se faire plaisir. J'appuie sur tout, c'était n'importe quoi. Cadeau de la maison. Il n'est pas tombé dans la lave. Allez, dehors. Il y en a d'autres par là. Un petit peu d'émeraude. Le risque. Mes flèches, enculé. Oh non, ouais, j'ai tenté la roulade, mais c'était un peu risqué. On va se recentrer. Déjà, un peu, ça ressemble à quoi le bordel masque? Rester droit comme un zip. Allez. Ah, c'est fun quand même, j'adore. Très agréable à manier. J'ai entendu que ça popait dans le coin. Ah oui, les fameux. Ok, c'est parti. On y va, on y va. Je suis en... Ouh là, il y a du golem. Enfin, il y a un peu de tout, hein. À vrai dire.
chiasse. Putain, il m'a empêché de tirer. Ah, parfait. Ok, suivant. Merci. Alors, pom 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 pom. Encore un par là. C'est où que je vais. Là, là, là. Comme il n'y avait pas trop de monde, je me suis laissé déconcentrer. Alors, vous êtes sûr du chemin, là? Ouais. Oh le bordel, c'était génial. Trop bien. Alors, ensuite. Je l'ai trouvé, ça c'est cool. Alors, on remonte par là. Quand on a un bon build au corps à corps, ça permet d'économiser pas mal de flèches, on est bien. Ah, alors attention. Et là j'étudie le terrain. Bon bah alors, au corps à corps c'est le mieux. Hop là.
C'était quoi ce bruit? Ah. C'est Big Boss, c'est parti. Ça descend vite, hein. Si tu bouges pas en plus. C'est-à-dire que je peux le ralentir à mort. Alors c'est quoi donc, hein? Juste un rare. Bon. Et un petit totem d'incantation. Bon, de toute façon, on voulait speeder, c'est chose faite. Et c'est concluant. J'adore. On observe. Ok. Et je boum. Je m'abuse moi. Où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? C'est par là. Cadeau de départ, sympa. La forge ardente est détruite et les engins des villageois ont été éliminés. Bah ouais. Après, il peut se dresser sur ma route. J'aime pas ça. Goudouding. Alors, dis-moi tout. Ah, voilà, un petit truc unique. À quoi que tu ressembles, mon pépère? Ouais, tous les emplacements et tout. Très mal, puissantes attaques chargées et dégâts supérieurs, ok. Ça c'est pour envoyer les autres dans les choux, c'est rigolo. Ça c'est le projectile qui grossit dans les airs, on connaît tout ça. Ça on peut toucher deux fois, mais bon, c'est 24% de dégâts. Ouais, ouais, ouais. Après il y a les bombes, ça c'était... Contre les morts vivants, ok. Ça c'était la frappe du vide, ouais, mais en vitesse c'est pas ça quoi. Non, c'est vraiment juste de la puissance pure. Il faut avoir un excellent build au corps à corps pour pouvoir l'utiliser. Puis on va pas dire one shot des gros boss, mais c'est un peu l'idée quoi. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de munitions, donc il est vraiment fait uniquement pour ça. Mais c'est à voir. Parce qu'en plus, il y a des petites bombes à foutre dessus là. Tous les trois tiers, ouais, c'est. Tous les trois tiers, c'est fort, quand même. Mais par contre, ouais, c'est 100% de dégâts aux créatures à proximité, donc on fait pas plus mal aux bestiaux. Des fois, faut peut-être mieux prendre ça, la toile électrique, c'est plutôt marrant. Puis comme c'est un arc très puissant, enfin très puissant de base, parce que là, il est que niveau 111, donc si on le met chez la forgeron, ça peut monter à niveau 120, quoi. Et ouais. Donc ça, ça commence à nous intéresser. Ok. Donc c'est pas un truc nul. Ça fait plaisir. L'autre mission codec, c'est parti. Alors c'est quoi les malus? La vitesse des créatures augmente de 50%. Ouais, ça en gère. 100% des créatures à distance. Oh, il y aura même pas de flèche dans ma gueule. Oh, ils vont manger chaud. Et en plus, j'ai l'enchantement onde de choc. Enfin, mais onde de choc, je l'ai déjà. Bon, c'est pas grave. Pareil, on le torche. Oh bon, on se remet un petit peu de difficulté. Oh, oh vu à quelle vitesse je vais en plus, franchement, c'est on fonce quoi. On fonce, on défonce. Oh, mais par contre, minimum niveau 3. C'était ce que j'avais tout à l'heure. On est d'accord. Oh, puis c'est le champ de citrouille.
je l'ai fait moult fois. J'avais même pas fait gaffe. Ok, alors là. Sans pitié quoi. J'ai des flèches, merci. Pas le temps de pinailler. Ouais, c'est là en bas. Alors, on va même pas dans le bateau pour prendre les munes. Qui pense même à grailler en étant overspeed, c'est ça. Pas de soucis. Par là, allez, on continue, je pense. Gratouille. Allez, envoyez, envoyez, envoyez. Allez! J'avoue que j'aurais peut-être pu augmenter un tout petit peu les difficultés, quoi. C'est des moyens, un petit peu de thunes quand même, faut pas déconner. Un peu plus générique d'habitude là les cavaliers de l'apocalypse. On se la joue à l'aveugle, hein, là, on voit plus rien. Ils ont le sort attraction sur eux. C'est une belle saleté ça. T'es pas prévenu au départ, ça te surprend un peu quand même.
la vitesse c'est n'importe quoi. Ok, on se barre, allez. Quoi? Ma vache qui réchappe. Bon, j'aurais dû la laisser en vie du coup. Même pas. L'exterminateur dans ses hautes œuvres. Femme. C'est où lui? Sérieux? Oh, oh. Oh bah oui, il a un gain de niveau cash. Ça valait au moins ça. Le golem, ce qu'il a pris cher. Et on est déjà à la fin du niveau. Enfin, à la fin. Baston final, quoi. Encore. Oh la vache. On va à Dieu, hein. Oh la la. Et on prend même pas les émeraudes. Chut. Ça dégage. Ah bah faites ça sans moi, moi j'y ai donné. Oh, laisse tomber. Alors, des faucillons rares, allez vous faire voir. C'est pas beau. Des fois lui, il a les meilleurs trucs à vendre. Et lui, des fois on a des surprises. Le tome d'enchanteur. C'est vrai que j'ai jamais utilisé ça. Faudrait que les poteaux y reviennent un petit peu pour qu'on puisse tester ce genre de truc. Flèche pyrotechnique 6072 quand même, c'est pas dégueu. Puis en plus ça explose, donc ça le fait à plusieurs bestiaux. Mais c'est qu'une seule. Mais c'est puissant. Forgeron, il doit me rester plus qu'une petite mission à faire. Bon, on va s'en faire une, allez, petite aléatoire. Est-ce qu'on essaye en Apocalypse plus 1? On pourrait, hein, franchement. On se lance un petit défi. Allez. Allez. Mais en aléatoire, hein, j'ai peut-être été un peu foufou quand même. Ah, bah ça j'aime bien en plus comme mission, j'avoue. Ah, c'est la bonne nouvelle. L'arbre corrompu. Il va falloir monter tout en haut. Et c'est un kiff. J'aime beaucoup. Maintenant, ça va peut-être être l'horreur. Déjà ça tombe bien. C'est moi qui vais bien tomber. Fallait que je teste. Plus ma potion voilà, est déjà revenue. Ah mince, il fallait activer le petit truc. Vous voyez, je l'ai pas fait souvent mais j'ai... Pardon. Voilà.
Ciao. Ah, il y a ces fameux trucs là. Ah, j'aime pas. J'aime pas. J'avais oublié. Les tours qui font popper des strums à tire-larigot. Jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Très très mal là. Ouais, ça passe. Bah, je trouve l'architecture du truc, enfin le level design qui est super cool. Mais vraiment. Réussi. Flèche. Encore bien trop cool. C'était sûr, hein. Franchement, là au niveau où je suis, quand on passe avec les petites araignées, c'est la blague, hein. Si t'es pas équipé comme un pourceau, t'es obligé d'y passer. Je pouvais pas tous les avoir avec mon arc. Bon, ça fait perdre une TP. On en a d'autres. Putain! Putain, c'est l'horreur, en plus il t'attire quoi. Viens à moi et que je te pète à la gueule. C'est littéralement ça. Allez, encore un. Oh, heureusement que j'ai plusieurs roulades. Au secours. On se détend. Que je vois ce qu'il y avait derrière, non? Ouais. Carrément. Quelle surprise. Elle est belle. Ah putain, un Enderman, allez. Ah ouais. Encore à corps, je les dépouille. Thank you.
Ils sont suicidés, tous. On dirait bien. Alors ça, elle est pas mal. Parce que j'aime cet arc, je l'avais pas déjà dit. Mais il mérite tellement qu'on le lui dise. Je vais pas trop mettre la carte, mais est-ce que je vais avoir... Est-ce que je vais être obligé? Peut-être pas. Attention au courant d'air. C'est par là. Il n'y a plus que du sous-fifre. Hop. Ah, attends, il y a plusieurs bitons à activer. Hein. Deux. Encore par là. Excuse-moi. Fiu. Puis-je passer? Eh ben, j'ai perdu une potion. Juste rare. Ok. Il peut y avoir des situs. Ouh, mes petites flèches qui ont failli tomber encore. Ah, tu fuis, hein. Alors, il teste le dernier. Non, je crois que j'en vois encore un plus loin. Il y a encore un par là. Allez. Eric, un petit coffre et des flèches. Oh, on est bien en flèches. 400 et quelques. Bon, maintenant faut refaire le tour. Thank you.
Voilà, il fait attention à ta vie, toi, pépère. J'étais trop en mode smooth. Hein. Tout va bien, quoi. Tranquillou bilou, mais non. Attention. C'était propre, hein, c'était nickel, hein, j'ai adoré. Oula. Par contre là, ça va peut-être se passer autrement. Oh, comment je m'en sors, incroyable. Lâche-moi toi. Ouh. Incroyable. De toute façon, ça va se fermer. Voilà, il faut trouver toutes les petites pustules là. Les pustules. Les pustules, c'est peut-être juste pour la suite. Oui, exactement, c'était pour ça. Oh, les... Merci pour lui. Je sais pas si ça les touche là d'ici comme ça. Non, c'est pas gagné. Par contre l'arc, je suis sûr que si. Parce que j'avais déjà vu. Ouais, j'ai vu qu'il y avait un rebond. On va continuer notre petit bonhomme de chemin. Ça aurait été rigolo qu'il l'entraîne dans sa chute parce que j'ai eu, il est tombé. Hein. Oh, je te voyais pas à travers les buissons, toi. Après, à travers le feuillage. Attention quand même, hein. Et tapant. Et venez, je vous attends là. Premier qui pointe le bout de son nez là. À droite. Hop et... J'ai entendu son à droite. C'est bon ?
Voilà, à travers ton bordel là. Merci la potion, merci la potion. Alors ici c'est close, mais par contre il y a un petit bouton. Voilà, c'est ça. Je suis bloqué, enculé. Cassons-nous, cassons-nous. Planquons-nous. Oh la vache. Oh, le petit truc planqué. Incroyable. On a hier de payer les gars. Et jour de paye. Oh putain. Je suis vraiment aussi en hauteur que ça. Incroyable. Je l'ai vu au dernier moment qu'il avait le renvoi. Putain. Petit enfoiré. Ah oui, mon arc il est tellement puissant que c'est du one shot, hein, c'est clair. Ah sa mère. Vengeance. Non, le vent, le vent, le vent. On se bat. Allez. Par contre, ils sont en train de me tirer dessus à travers la barrière là. Moi aussi je peux alors. Bah oui. À travers la barrière, un truc unique, allez hop. Bon, en attendant, il y a un autre truc à actionner, c'est là. À faire, c'est quoi le bordel? Non, j'en viens d'ici. Allez voir. Ah, c'est là.
crever, oui. Si c'est pas trop demandé. On va se recharger un peu avant d'entrer, hein. Voilà. Vous voulez du challenge, il y en a. Hein. Hein, faut pas dire le contraire. Ouais, bah adieu. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah d'accord. Faudra faire le tour pour actionner ça et puis revenir. Saloperie juste en haut quoi, le truc tu t'y attends pas du tout quoi. J'ai tenté. So risky. Ah, quand ça marche leur bon en pleine puissance, c'est trop bien. Poser sa, leur saleté là. Alors, ça c'est fait. Est-ce que j'ai un autre truc à actionner? Non. Y arriver hein. Go in the temple. Ah, un big boss. Putain, j'avais zappé. Heureusement, ça m'a pas tué.
Oh, heureusement ils sont bloqués. Hein. Holy bull. Il leur reste rien pourtant. Oh mais saleté va. Il était pas mort. Au secours. Au secours. Oh. Bon allez. Oh, j'ai eu peur. Je me suis dit non mais bon je me suis pas bloqué quand même. Ils auraient pas fait ça. Non, ils l'ont pas fait. Oh. Trophée obtenu. Trophée obtenu. Canopée démêlée. Nickel. Alors, un totem d'incantation. Un niveau 120, même si c'est commun. C'est pas mal, là, niveau 120. Bon, bah écoutez. On va se faire une petite pause vidéo et je vous dis à la prochaine fois. Allez, tchuss.